La fondation Lucie Lebon est une fondation implantée en Haute-Marne, à Montier-en-Der. Elle gère différents établissements et services qui œuvrent dans deux grands champs d'activité, un champ d'activité médico-social et un champ d'activité social. Lorsque notre nouveau directeur général a pris ses fonctions, il a eu à cœur de mettre la sécurité au cœur de nos préoccupations. Voilà, sécurité, c'est pas forcément une préoccupation, en tous les cas, majeure pour les directeurs, ou en tous les cas pour le directeur que je suis. Je crois qu'il a su me sensibiliser à l'importance justement de cette sécurité et surtout nous rappeler que en tant que dirigeant, la sécurité devait être une de nos préoccupations quotidiennes parce que c'est une obligation légale et qu'elle peut avoir de graves conséquences et pour le dirigeant et pour l'association qui l'emploie. En tous les cas, légalement, c'est une obligation qui oblige l'employeur à avoir des résultats. Ce n'est pas seulement une obligation de moyens pour une fondation, c'est aussi une obligation de résultats, donc de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter les accidents et surtout mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir ces accidents. L'initiative se réfère à quatre mesures clés du code sociétal. La mesure 2, assurer des conditions de travail équitables et décentes. La mesure 3, assurer les conditions de santé et de sécurité. La mesure 4, soutenir la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie. Et la mesure 19, améliorer l'efficience des coûts liés à la mise en œuvre des activités.